Bonjour. Dans le cadre des cours sur la fonction logarithme népérien, aujourd'hui nous allons aborder la notion de dérivée, donc relative à la fonction logarithme népérien. Et dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, nous allons introduire la fonction logarithme népérien selon deux approches distinctes. Dans un premier temps, nous allons considérer que la fonction logarithme népérien s'inscrit comme la bijection réciproque de la fonction exponentielle. Alors je vais écrire bijection réciproque de la fonction exponentielle. Alors, dire que la fonction logarithme népérien n'est autre que la bijection réciproque de la fonction exponentielle peut se traduire graphiquement. Ici, je trace les axes. Je vais tracer la représentation graphique de la fonction exponentielle, qui a cette allure-là. Donc à ce moment-là, dire que la fonction logarithme népérien est la bijection réciproque de la fonction exponentielle revient à dire que par rapport à cette droite d'équation y égale x, c'est-à-dire par rapport à la première bisectrice du plan, eh bien, la représentation graphique de la fonction logarithme népérien est la symétrique de la représentation graphique de la fonction exponentielle par rapport à cette première bisectrice du plan. Donc ça nous donne une allure de la fonction logarithme népérien qui est comme ça. En fait, je vais le faire un petit peu mieux ici. Voilà. Donc voilà, donc ici on a la courbe représentative de la fonction logarithme népérien. Ça nous permet d'avoir une idée a priori de son comportement. Maintenant, seconde approche d'introduction, ça consiste à dire que la fonction logarithme népérien croît plus lentement. Et la seule fonction qui croît plus lentement, que la fonction x à la puissance 1 sur n, quel que soit petit n antinaturel. Donc, le jeu quand on a une fonction qui a une telle allure, c'est évidemment de considérer n très grand, car pour n très grand, on va avoir 1 sur n qui va tendre vers 0. Donc on aura une puissance de x qui sera infiniment petite. Donc ça signifie que la fonction x à la puissance 1 sur n va croître vraiment très 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 lentement. Et bien imaginez à ce moment-là une fonction qui va croître encore plus lentement que cette fonction x à la puissance 1 sur n. On obtient la fonction logarithme népérien. Donc ça montre vraiment à quel point la fonction logarithme népérien est une fonction qui croît lentement. Donc voilà deux approches distinctes qui permettent d'introduire la fonction logarithme népérien. Maintenant, on va passer à la théorie de ce cours en parlant de la dérivée de la fonction logarithme népérien. La dérivée de la fonction logarithme népérien. Donc, quel est le cadre théorique de cette définition? On considère que la fonction logarithme népérien est définie, continue, je vais tout écrire, est dérivable sur R plus étoile. La fonction logarithme népérien est définie, continue, est dérivable sur R plus étoile, et pour tout x élément de R plus étoile, on a log de x prime, c'est-à-dire la dérivée de log de x, qui est égale à la fonction inverse 1 sur x. Donc voilà pour la dérivée de la fonction logarithme népérien. Maintenant, on va traiter le cas de la dérivée de la fonction logarithme népérien de f de x. Donc, comme cadre théorique de cette définition, on va considérer une fonction. Donc soit petit f
une fonction réelle définie dérivable est strictement positive sur un intervalle que l'on nomme grand I. À ce moment-là, la fonction logarithme népérien de f de x est elle-même une fonction définie et dérivable sur cet intervalle grand I. Et on peut écrire que pour tout x élément de l'intervalle grand I, la dérivée de la fonction logarithme népérien de f de x est égale à f' de x, c'est-à-dire la dérivée de f de x sur f de x. Donc, je répète, la dérivée de la fonction logarithme népérien de f de x pour une fonction f de x strictement positive définie et dérivable sur l'intervalle I, eh bien cette dérivée s'écrit f' de x sur f de x. Donc voilà pour la partie que l'on peut qualifier de théorique de ce cours. Maintenant, on va passer à une rubrique habituelle, qui est la rubrique Attention. Rubrique qui consiste à vous mettre en garde sur le fait que, avant de calculer la dérivée d'une fonction, il faut d'une part déterminer, donc je vais l'écrire, avant de calculer la dérivée d'une fonction, il faut premièrement déterminer son ensemble de définition, et deuxièmement vérifier que cette fonction est dérivable sur cet ensemble de définition. Donc, dans un premier temps, déterminer l'ensemble de définition de la fonction considérée et ensuite vérifier que cette fonction est dérivable sur l'ensemble considéré avant d'en calculer la dérivée. Donc voilà pour le cours. Maintenant, on va mettre tout ça en application à l'occasion de 4 exercices, dont le premier, exercice 1, consiste à déterminer la dérivée de la fonction f qui à x associe x logarithme népérien de x moins x. Donc voilà la question qui nous est posée. Donc je vous renvoie à la rubrique Attention. Avant de se lancer dans le calcul de la dérivée de cette fonction, il faut dans un premier temps déterminer son ensemble de définition. Donc ici, pour déterminer l'ensemble de définition de cette fonction, je vous renvoie au cours notamment qui traite des généralités de la fonction logarithme népérien, cours dans lequel vous verrez que cette fonction f est définie sur l'intervalle r plus étoile, puisqu'on a logarithme népérien de x. Et de la même façon, il faut s'intéresser, avant de calculer la dérivée, à la dérivabilité de la fonction. Et la même chose, la fonction f est dérivable sur ce même intervalle, r plus étoile. Donc, f étant défini et dérivable sur r plus étoile, on peut en calculer la dérivée. Donc, f'
de x, c'est égal à x log de x moins x, tout ça en dérivée, donc prime. Alors, on va décomposer cette écriture, c'est égal à x log de x prime moins x prime. C'est-à-dire, ici, on a la dérivée d'un produit. Donc, c'est égal à x, je vais l'écrire comme ça, prime fois log de x, plus x log de x prime, moins x prime. En fait, les crochets ici ne sont pas très utiles, c'est simplement pour que vous voyez mieux la dérivée. Donc là, on va directement maintenant calculer les dérivées. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Donc, ça nous fait 1 fois log de x. Donc, log de x plus x facteur de la dérivée de log de x, on l'a vu dans le cours, c'est 1 sur x. Donc, ça fait x facteur de 1 sur x. Et ici, moins la dérivée de x. Donc, ça nous fait moins l'unité. Je vais effacer le haut. Je vais même effacer tout ça. Je vais garder seulement la dernière ligne. Donc ici, on avait f' de x. Donc ça nous fait f' de x est égal à logarithme népérien de x plus x fois 1 sur x plus 1 moins 1. Donc au final, f' de x est égal à logarithme népérien de x. Donc la dérivée de la fonction qui a x associe x log de x moins x est une fonction définie sur R plus étoile, et fonction qui a x associe log de x. Donc voilà pour notre premier exercice. On passe maintenant à l'exercice 2. Où il s'agit de déterminer la dérivée de la fonction qui a x associe logarithme népérien de sinus x. Donc dans un premier temps, je vous renvoie encore une fois à la rubrique attention, avant de déterminer la dérivée de cette fonction, il faut en déterminer l'ensemble de définitions et vérifier que cette fonction est dérivable sur cet ensemble de définitions. Donc premier temps, on détermine l'ensemble de définitions de cette fonction. Comme on a une fonction sous le logarithme népérien, il faut en fait déterminer l'intervalle sur lequel cette fonction est strictement positive. Donc on a une fonction sinus x. Là, c'est pareil, je vous renvoie aux cours qui sont disponibles en ligne sur la trigonométrie. Cours dans lesquels vous verrez que la fonction sinus x est strictement positive. Pour tout x, donc, je vais écrire quand même la phrase. F est défini sur, donc, sur l'intervalle. Donc, la fonction sinus x est strictement positive pour tout x, élément de moins pi, pi. Donc, F est défini sur l'intervalle moins pi, pi. Et sur ce même intervalle, f est dérivable. Donc là, pour traiter de la dérivabilité de cette fonction, c'est pareil, je vous renvoie aux cours qui traitent de la dérivation, qui sont disponibles en ligne sur ce site. Donc maintenant, on peut passer au calcul de la dérivée de la fonction f. Donc f' de x, c'est égal à, on va mettre une grande parenthèse, logarithme népérien de sinus x, tout ça en dérivée, donc avec un prime. Alors, on a la dérivée de la fonction logarithme népérien d'une fonction sinus x. Donc, on sait que c'est la dérivée de ce qui est dans la fonction, sous la fonction logarithme, divisé par cette même fonction. Voilà. Donc on a sinus x prime sur sinus x. Et ça, c'est égal, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc au final, la dérivée de la fonction qui a x associe logarithme népérien de sinus x est la fonction définie sur moins pi, pi, et qui a x associe cosinus x sur sinus x. Voilà pour le deuxième exercice.
passe maintenant au troisième, où il s'agit cette fois de déterminer la dérivée de la fonction définie, on va changer l'énoncé, définie sur l'intervalle 1 plus l'infini et qui a x, donc définie par x a pour image x sur logarithme népérien de x, le tout au carré. Donc réflexe habituel, avant de se lancer dans la détermination de la dérivée de cette fonction, il faut d'abord déterminer l'ensemble de définition. Ici, c'est inutile puisque l'ensemble de définition est donné. Et il faut vérifier que sur cet ensemble de définition, la fonction considérée est dérivable. Donc une fois encore, je vous renvoie au cours disponible en ligne sur la dérivabilité, cours dans lequel vous verrez que la fonction considérée est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Dans la mesure où ce n'est pas l'essentiel de ce cours, je ne m'attarde pas sur ce point-là. Donc maintenant, on passe directement au calcul de la dérivée. F' de x, c'est égal à, donc je vais mettre une grande parenthèse, x sur logarithme népérien de x, le tout au carré, prime. Donc on a une fonction qu'on peut appeler xi de x au carré. Donc on cherche à calculer la dérivée d'une fonction xi de x au carré. Donc ça, on sait, d'après les cours sur la dérivation, que c'est égal à 2 fois cette fonction fois cette fonction. Donc, la dérivée de xi de x au carré, c'est 2 xi prime de x, xi de x. Donc il s'agit maintenant de calculer la dérivée de cette fonction-là. Donc là, on a la dérivée d'un rapport. Donc je recopie ça. Donc la dérivée d'un rapport, c'est le numérateur en dérivée fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré. Voilà, tout ça multiplié par ce dernier terme-là. Donc je répète cette étape, on cherche à calculer la dérivée de ce terme, f sur g. C'est f' g moins g' f, moins, d'ailleurs j'ai pas mis le prime, moins g' f sur g au carré. Donc on va faire la place, je vais effacer ça, et on va garder la dernière ligne. Donc ça c'est f' de x. Alors, f' de x, donc on a le 2 en facteur ici. Alors, la dérivée de x c'est 1, donc ça nous fait logarithme népérien de x, moins x fois la dérivée de logarithme népérien de x, c'est-à-dire 1 sur x, tout ça sur logarithme népérien de x au carré, facteur du dernier terme, x sur logarithme népérien de x. Maintenant, je peux effacer cette dernière ligne. Et on obtient au final que f' de x, enfin au final, on va voir, c'est égal à 2 logarithme népérien de x moins x, facteur de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1, sur logarithme népérien de x, tout ça au carré, facteur de x, sur logarithme népérien de x. Donc on peut simplifier cette écriture en la formulant ainsi. 2 facteur de x logarithme népérien de x moins 1 sur logarithme népérien de x au cube. Donc je vérifie, on obtient 2x log de x moins 1 sur log de x au cube. Donc, en conclusion, la dérivée de la fonction qui a x associe
x sur log de x, le tout au carré, définie sur l'intervalle 1 plus l'infini, est une fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert, et qui est x associe 2x, facteur de log de x moins 1, sur log de x au cube. On passe maintenant au dernier exercice, qui considère la fonction qui a x définie, enfin déjà, la fonction f définie sur l'intervalle 2 plus l'infini et qui a x associe logarithme népérien de 1 moins x sur 3 moins 2x. Donc on demande de déterminer la dérivée de cette fonction. Réflexe habituel, avant de se lancer dans le calcul de la dérivée, il faut d'abord en déterminer l'ensemble de définition. Ici, nul n'est besoin de faire ça puisque cet ensemble de définition est donné, c'est 2 ouvert plus l'infini. Et il faut vérifier que cette fonction est dérivable sur l'intervalle considéré, c'est-à-dire sur 2 plus l'infini. Là, une dernière fois, je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite de la dérivabilité des fonctions, cours dans lequel vous verrez que cette fonction est dérivable sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Donc maintenant, on peut se lancer dans le calcul de la dérivée. F' de x, c'est la dérivée de logarithme népérien de 1 moins x sur 3 moins 2x. Donc, log de 1 moins x sur 3 moins 2x, tout ça avec un prime pour signaler que c'est la dérivée. Donc on a la dérivée du logarithme d'une fonction. Donc on sait, par définition, d'après le cours qu'on vient de voir, je vais l'écrire un peu plus bas, que c'est la fonction considérée, en fait, la dérivée de la fonction considérée sur la fonction considérée. Donc ça nous fait 1 moins x sur 3 moins 2x, tout ça en dérivée, donc prime, sur 1 moins x sur 3 moins 2x. Je vais écrire ça à côté parce qu'on n'a plus assez de place en dessous. Donc il faut calculer la dérivée de 1 moins x sur 3 moins 2x. Donc c'est la dérivée d'un quotient. Mettons que 1 moins x soit égal à f et que 3 moins 2x soit égal à g. C'est-à-dire qu'on doit calculer la dérivée de f sur g. Ça nous fait f'g moins g'f sur g2. Donc je vais l'écrire, ça nous fait 1 moins x prime facteur de 3 moins 2x, f'g, moins g prime 3 moins 2x prime, facteur de 1 moins x, f prime g moins g prime f, sur la fonction g au carré, c'est-à-dire 3 moins 2x au carré, tout ça sur notre dénominateur qui est 1 moins x sur 3 moins 2x. On va faire de la place ici. Donc, f' de x est égal à... Alors, la dérivée de 1 moins x, la dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, ça nous fait... Je ne vais pas avoir assez de place. Je vais faire ça plus bas. Donc, ça nous fait, on a dit, moins 1. Facteur de 3 moins 2x. Moins la dérivée... de 3 moins 2x, c'est la dérivée de 3, c'est-à-dire 0. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Donc moins moins 2, ça nous fait plus 2. Facteur de 1 moins x. Tout ça sur 3 moins 2x au carré. Et on a le même dénominateur, c'est-à-dire 1 moins x sur 3 moins 2x. Alors, simplifions cette écriture. On a moins 1 facteur de 3 moins 2x, donc ça nous fait 2x moins 3, plus 2 facteur de 1 moins x, plus 2 moins 2x. Tout ça sur 3 moins 2x au carré, et le dénominateur 1 sur x facteur, divisé par 3 moins 2x.
Pour l'instant, je ne m'occupe pas de ce terme-là, ni de celui-là, qu'on pourrait évidemment simplifier, qu'on aurait pu simplifier dès le début. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que je ne veux me concentrer que sur le numérateur, ici. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? 2x moins 2x, 0. Et moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc, on obtient moins 1 sur 3 moins 2x au carré. Tout ça sur 1 moins x sur 3 moins 2x. Voilà, donc, on va inverser ça, c'est-à-dire qu'on va multiplier par l'inverse du dénominateur. Ça va nous faire moins 1 facteur de 3 moins 2x sur 3 moins 2x au carré facteur de 1 moins x. Donc ça nous permet de le simplifier en écrivant moins 1 sur 3 moins 2x facteur de 1 moins x. Et on peut le simplifier davantage en écrivant que c'est égal à 2x moins 3 facteur de 1 moins x sur 1. Donc on obtient, ou alors on peut l'écrire, oui, on peut mettre le, là en fait j'ai mis le moins 1 ici, mais on peut le mettre là. Ça va nous faire x moins 1 facteur de 3 moins 2x sur 1. Sont les deux mêmes écritures. Donc on obtient au final que la dérivée de la fonction définie sur 2 ouvert plus l'infini, qui à x associe logarithme népérien de 1 moins x sur 3 moins 2x, est la fonction définie sur 2 ouvert plus l'infini, et qui à x associe 1 sur x moins 1 facteur de 3 moins 2x. Donc voilà qui termine ce quatrième exercice, et qui par la même occasion termine ce cours qui traite du logarithme népérien et en particulier de la notion de dérivée, donc relative au logarithme népérien. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la fonction logarithme népérien ou d'autres cours de ce programme de mathématiques. Au revoir.